Dépêchons, dépêchons. Nous n'avons pas toute la journée. Mais, monsieur le directeur, vous avez vu la quantité de livres que nous avons à déménager? Oh, je trouve qu'on ne serait pas trop de quatre hein, pour tout porter. Je ne veux pas le savoir. La bibliothèque va fermer. Nous devons tout emporter à la nouvelle médiathèque. En plus, avec les temps qu'il fait dehors, je ne suis pas pressé de mettre ça dans le camion. Mais qu'est-ce que vous faites, madame André? Ça, je porte. Mais qu'est-ce que c'est que ces vieux livres? On va pas tout emporter quand même. Ah, je peux faire ça. Je vous l'ai déjà dit. Le déménagement sera pour nous l'occasion de faire le tri. Le tri? Oui. Nous allons garder les beaux livres. Les livres qui serviront par la suite. Et pour le reste? Le reste. Les vieux livres. Les livres inutiles. On s'en débarrasse. À la poubelle. Jeter des livres. Mais c'est trop triste. Madame Sommer, allez consoler votre collègue, je vous prie, que l'on puisse avancer. Monsieur Glossaire, venez avec moi dans la réserve. On va finir de compter tout ça. Allez. Allez, ça va aller. Vous savez, certains ont vécu leur vie. Hein? Ils ont été lus et relus. Ils sont usés, fatigués d'avoir été consultés. Il y en a, certains, ils n'ont même plus rien à dire. Alors, ceux-là, on les laisse s'en aller. Mais c'est pas pour ça qu'on va les oublier. Moi, c'est sûr, je ne les oublierai pas. Moi non plus. Allez, ça va aller. Oh là là. Allez, allez, allez les enfants, on va se mettre là, à l'abri, on sera bien, parce qu'alors... Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Oh, quel sensé, quel sensé! Vraiment. Eh, on peut dire que notre sortie est tombée à l'eau. Wow. Je m'ennuie, je veux rentrer. En plus, moi j'ai faim, mais où en est-ce? En tout cas, c'est drôlement le bazar. C'est vrai. C'est vrai que ça m'a l'air d'être le chantier. Eh oh, y a quelqu'un? Oh là là, les enfants! Non, vous êtes trempés là! Vous allez tout mouiller, ces livres ne sont pas à nous! Oh là 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 là! En même temps, un peu de lecture, ça ne peut pas leur faire de mal! Hein. C'est vrai! Et si, des bandes dessinées. Ah, bien. Une porte de mathématiques. Ouais. Oh. Ouais, un livre qui fait peur. Super. Ouais, trop bien, trop bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors. Et qui vous a permis? Alors, bah, pardon, monsieur, mais... On était en sortie avec le centre de loisirs, on s'est fait piéger par la pluie, donc on s'est mis à l'abri ici. C'est tombé à l'eau! Je ne veux rien savoir. Nous sommes en plein inventaire. Allez, monsieur le directeur, ils sont tout mouillés. Regardez! Il vous plaît, on pourra peut-être les accueillir le temps que ça se calme. Ouais. Moi, ça me ferait du bien au moral, un peu de jeunesse. S'il vous plaît! Bon, d'accord. Mais seulement s'ils me promettent de ne toucher à rien. Ouais, ouais! Des enfants dans une bibliothèque, on aura tout vu. Thank you.
mais seulement à certaines heures de la journée. Le reste du temps, travaille, rend visite à ses voisins. Elle va aussi en classe, comme tout le monde, ou presque. Pas facile de trouver le chemin du château de Sherazade. Entourée d'un labyrinthe impossible de routes, de murailles et de ronces. Éviter la porte de Messire Robert. Car il a un chien. Les enfers vont y revenir sous la porte. La princesse passe saluer Madame Germaine, une ogresse joviale qui pèse 100 kilos. Possède de deux perroquets. En réalité, deux bouffons et la métamorphose en volatiles multicolores. En échange, Madame Germaine lui traite des livres, mais en cachette. Sa mère. La sentence est tombée. Non pas la tête coupée, mais confiscation des livres et même de sa carte de bibliothèque. Elle arrive à un moment palpitant de l'histoire, elle lève la tête vers la lune qui l'encourage à poursuivre. Tour de 30 étages.
chansons sont minces, on entend les enfants grandir. Et leurs goûts musicaux évoluer. C'est émouvant. Le petit du dessus a d'abord écouté la chanson Toto le crapaud. En boucle, à fond la caisse. Après, il a écouté la chanson de Josie la marmotte. En boucle, à fond la caisse. J'y tends le corps. Vraiment indispensable. La nounou qui arrose avec amour. Mes plantes, le chien, le chat et le perroquet. Mais il y a pire! Il y a un immeuble où tout le monde est formidable! Pas d'enfants! Pas de chiens! Pas de pauvres! Pas de choux! Et pas de musiciens! Rien ne dépasse tous tes conforts! Les femmes sont blondes! Les hommes sont avocats! Les cinq codes d'accès fonctionnent parfaitement! Ainsi que l'interphone! Et le gardien, on sait qui est qui. On sait où on est. On peut s'ennuyer dans le calme et la sérénité. Il avait vraiment bâti des murailles très solides et des tours très hautes, impossible d'empêcher la mer de les emporter. À la fin d'une superbe journée, Paul contemplait fièrement le château qu'il venait de terminer. Aussi, quand la mer monta, il se précipita vers elle. Restoutier, mère, c'est mon château et j'en suis le roi. C'est alors que Paul aperçut un coquillage qui brillait comme un bijou. Il le posa sur la plus haute tour de son château et il ferma très fort les yeux. Je voudrais que mon château devienne aussi grand qu'un vrai et je voudrais être un vrai roi. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, son château n'avait pas grandi d'un pouce et lui était toujours un enfant. Ce soir-là, Paul fut réveillé par des cris aigus des mots. Il écarta les rideaux de sa fenêtre et se frotta les yeux. Que t'as fait ? Son premier souhait s'était réalisé. Quand il arriva devant l'énorme château, le pont Lévis s'abaissa. Une petite fille l'accueillit près du poste de garde. Elle avait les yeux aussi bleus que l'océan. Nous t'attendions. Elle porta un coquillage à ses lèvres et souffla une note étrange qui sentait le sel marin. À son signal, des grandes portes s'ouvrirent sur une vaste salle. La petite fille posa une couronne de perles sur sa tête. Vive le roi! Le roi du son second souhait était réalisé. Des musiciens entamèrent une jigue enjambée et la petite fille un bon voilà. La fête dura toute la nuit et personne n'entendit les vagues qui cognaient contre les portes du château. Finalement, les portes cédèrent avec un craquement épouvantable. Mais alors que l'eau déferlait sur eux, les gens se transformaient. Sous le regard médusé de Paul, leurs pieds se changèrent en ivoire et leur peau en écaille. La petite fille entraîna Paul sur les remparts loin au-dessus de la mer. De là-haut, le petit garçon s'aperçut avec horreur que les vagues détruisaient son château. Arrière, mère, je suis un vrai roi maintenant. Regarde, j'ai une couronne. Tu es peut-être un roi, mais même un roi ne peut arrêter l'océan. Thank you.
était une fois une ville sans le moindre jardin, pas un seul arbre, pas un brin de verdure. C'était un endroit affreusement ennuyeux. Pourtant, vivait là un petit garçon nommé Liam. Un matin, Liam fit une découverte inattendue. Il se promenait sous l'ancien viaduc quand il aperçut une entrée. Il distingua des marches. C'était un escalier qui menait jusqu'au bois du chemin de fer. Liam avait toujours rêvé d'explorer les bois. C'était l'occasion. Liam grimpa les marches 4 à 4 et sortit à l'air libre. La première chose qu'il vit fut un joyeux tache de couleur. Il ne croyait pas ses yeux, des plantes et des fleurs sauvages. Hélas, elles avaient mauvaise mine. Pas de doute, elles avaient besoin d'un jardinier. Même si Liam ne connaissait rien au jardinage, il revint le lendemain et se mit aussitôt au travail. Il manqua de noyer les fleurs en voulant les arroser. Et il ne savait pas trop comment les tailler les arbres, mais se protéger, attendre patiemment qu'ils soient devenus plus habiles. Au fil des semaines, Liam se sentit devenir un vrai jardinier. C'est ainsi qu'en l'espace de quelques mois, Liam et son jardin explorèrent chaque recoin de l'ancienne ligne de chemin de fer. Le jardin de Liam n'avait qu'une envie, explorer le reste de la ville, les courageuses petites fleurs et les grandes herbes folles prirent les devants. Elles sautèrent du viaduc et se répandirent de loin en loin, bientôt suivies par des plantes plus timides. Ce qui les intriguait, c'était les vieilles choses oubliées, les recoins saugrenus. Certaines allaient même se couvrir là où elles n'avaient carrément rien à faire. D'autres, mystérieusement, apparaissent là où on ne les attendait pas. Et devinez le plus surprenant. Bientôt apparut toute une armée de nouveaux jardiniers. Quelques années plus tard, la ville entière était devenue un grand parterre fleuri. Immédiatement en foule. Oh,
à cette châtaigne sur pattes. Moi, j'ai déjà entendu parler de ce genre de bestiaux. Mieux vaut s'en méfier. Pendant ce temps, le hérisson ne bouge pas. Et bientôt, toute la volaille se lasse de l'observer. Chacun reprend ses occupations en le surveillant quand même du coin de l'œil. Et le hérisson reste là jusqu'à ce que la nuit tombe. Le lendemain matin, au lever du jour, le hérisson a disparu. Les poules commencent à capter.
Eh bien, les enfants, je suis content de vous. Je suis très fier de vous avoir parmi nous. Bravo, bravo, bravo. Merci de t'avoir aidé de trouver le nom pour notre vieille bibliothèque. Moi, je remets ça comme vous voulez. Voilà, messieurs, dames, c'était le spectacle des brigades d'intervention orale. Alors, on va faire une petite présentation là, de tous les membres des bio de cette année. On va commencer dans l'ordre. On va commencer par Aymen. Il y avait Anne-Marie. Également à Pierre-Marie et à la technique. Et bien entendu, tout ça n'aurait pas du tout pu se faire sans Yann le Jeune. Merci beaucoup, merci pour votre écoute. Alors, un grand merci au C2, à Lucie, pour l'accueil. On est toujours aussi bien accueillis ici, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et puis à toute l'équipe du projet des Tours vers l'avenir, donc Louise, que vous avez vu au début, il y a Hugo là-haut. Voilà, merci à vous pour suivre tout ça. Mais attention, car ce n'est pas fini. Petite surprise, je vais laisser peut-être... Voilà.
Thank you.